Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous prends pour mes objectifs. Donc, mon pull est quasi fini. Donc là, j'aimerais bien recevoir mon crochet numéro 3. Là, faut que je compte les manches parce que je l'ai essayé et il y a une manche plus courte que l'autre. Déjà. 30. 31, 32, 33, 34, 35. Ok, cette manche-là, il manque 5 rangs. Mais je pense que je vais les... Comme il me reste de la laine, il me reste que ça. Donc je vais rallonger les manches. Alors sur celle-ci, 5 rangs et 7 rangs. Et l'autre, je vais rajouter encore 2 rangs. Comme ça, je pense que mon violet sera fini. Et donc du coup j'aimerais bien recevoir mon crochet numéro 3,5 que j'ai commandé sur Obi avec de la laine. Donc et là c'est pour faire les côtes. Donc je ne sais même pas combien qu'il me reste en grammes. On va mesurer ça avec vous. Hop. Mince, si je l'allume pas, je risque pas d'avoir. Il me reste 27 grammes. Donc ça ira, je pourrais faire le col, les manches, les côtes des manches et le bas. Parce que je prends 4 grammes par tour. J'ai compté hier, j'ai pesé avant et après le tour. Donc celui-là, il est quasi fini. Donc, alléluia, hein. Je l'ai fini avant le 31. Il manque juste mon crochet 3,5. Pour resserrer un petit peu tout ça. Donc là, je suis contente. J'ai un projet trois quarts fini. Après, on passe à mon gilet catastrophique. Ouais, catastrophique. Donc voilà le gilet. Je l'ai avancé hier. Combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. J'ai fait 6 rangs hier soir et avant d'aller me coucher, j'ai dit, ah bah tiens, je vais l'essayer. Bingo, il manque 10 cm pour que je le ferme. Et comme moi, je veux qu'il soit fermé, impératif, hein. Il n'y a pas de lézard. Moi, c'est un gilet fermé, c'est pas un gilet ouvert. En plus, j'avais fait une boutonnière. Donc, j'ai envoyé un message aux filles ce matin sur le groupe Instagram qu'on a. C'est Tricotine by Sandrine qui l'a fait. Et donc du coup, je posais la question comment faire, parce que j'avais pas envie de tout défaire en fait. Parce que là, il manque encore de la longueur, hein, parce que je veux un long gilet. Parce qu'il me reste ça, plus dans ma chambre, il me reste une pelote. Donc avec cela, j'aurais bien voulu finir ma longueur en fait. Et puis, l'autre pelote pour faire des manches, quoi. Parce que c'est un gilet sans manches, mais moi je veux des manches. Comme je suis frileux, je veux toujours des manches. Donc là, j'ai augmenté un petit peu. Ben, vous les voyez, hein. J'ai augmenté un peu comme ça fait un peu évasé. Ah ben, vous voyez, rien du tout. Ça fait un peu évasé. C'est comme moi, j'ai souvent. Des problèmes d'intestin, je suis assez gonflée, donc pour pas être serrée quoi. Donc Sandrine m'a dit de rajouter des côtes.
Donc je pense que je vais repartir comme ça sur des côtes. De chaque côté. Je cherche mon mètre. Où ai-je mis mon mètre? Bah, je l'avais pas dans les mains ce matin. Donc je sais plus combien de côtes j'ai fait sur le col. Alors une, deux. Si par contre je fais deux brides, ouais non. Faudrait au moins que je fasse une longueur comme ça. Mais j'ai peur que ça fasse moche puisque là il y a la. Parce que là, il y a, c'est la bande de boutonnage. Et si je repars sur des côtes, et ça, je peux pas défaire, je suis obligée de tout défaire. Oh, je ne sais pas. Et je suis embêtée, ça m'énerve. Et je voudrais pas tout enlever parce que ça fait un moment que je suis dessus. Vous voyez, hein, voilà quoi. Et si je renlève, si je rajoute une bride là, une bride là, une bride là, une bride là, et que je reprends des côtes tout le long. Cela, une bride, ça vaut 3 mailles. On est d'accord? Donc après, je peux faire 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air et faire des brides tout le long pour faire des côtes, ainsi que l'autre côté. Ouais, ah, je suis dégoûtée. Hein. Depuis hier soir, je viens de coucher tard. Hein. Je suis déçue. Mais bon, on va essayer de refaire. Je vais continuer en fait la longueur. Et quand la longueur sera bonne, je ferai une encolure, rajouter deux bandes de chaque côté en côte. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Bref, donc là j'attends, je croise les doigts pour mon crochet, que mon pull soit fini, comme ça je peux attaquer avant. Donc là on passe côté broderie. Alors, ce que j'ai fait hier, j'ai bien avancé. J'ai très très bien avancé. Donc là, j'ai fini le jaune. Ici. Voyez. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait les deux petits becs là, en rouge. Le vélo était fait. J'ai fait les deux, les trois points qui sont sur les plans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le bleu ici. Je crois qu'il m'en restait qu'une à faire. Il me semble. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le jaune ici. Et j'ai commencé le rouge. Mais si je continuais, je dépassais. Je crois que j'ai été 1 heure. Ouais, une bonne heure dessus. Donc là, j'aimerais bien finir la fleur aujourd'hui. Comme il y a du jaune dans le cœur, finir vraiment les trois là. Et il manque deux points orange. Alors quand je serai dans le 17, je finirai les trois. Alors là, il y en a deux. Là, il y a trois, quatre points orange. Et là, il n'y en a pas. C'est quoi le 17? C'est du rose. C'est celui-ci. Attendez, hop. Celui-ci. Ouais. Donc on va faire ça. Et j'aimerais bien vraiment finir aujourd'hui. Donc là, on se. Ah, puis j'ai fini ici, le gris. Le râteau.
Ouais, j'aimerais bien me concentrer sur ma fleur là. J'ai rendez-vous avec mon fils aujourd'hui. En fait, compte, c'est pas aujourd'hui, c'est le 28. Heureusement qu'il a vu avant qu'on parte, parce qu'alors là. Et comme j'ai les petits V là, il m'en manque juste un ici. Donc je le rajouterai. Donc là, aujourd'hui, ça sera la fleur. Le petit V qu'il y a dans le foulard. Et pourquoi là il n'y a que. Là il y a deux. Là elle est au milieu, pas celle-là. Ah bah oui, mais elle est comme ça sur le dessin. Ok. Elle est comme ça. Donc, finir la fleur. Mon petit V dans le foulard. Et continuer. Ces trois petits-là, faut impérativement que ce soit fait. Et pas de lézard, Balthazar. Ouais. Et si je me penche bien, fin de semaine, elle devrait être finie. Voilà, ça c'est pour une. Je remballe pour tout à l'heure. Après, on va continuer en point estampé. Alors, je laisse mes ciseaux là-dedans. J'ai avancé comme nous étions lundi et que dorénavant je la prends 1 heure par jour. Donc, j'avais commencé avec vous le mauve ici, le mauve clair. Attendez, juste l'appuyer comme ça sera plus facile pour vous la montrer. Attendez, ça, elle est grande. Donc, j'avais fait le mauve clair ici avec vous. Hier après-midi, donc je l'ai repris 1 heure, j'ai fait le mauve jusque-là, violet un peu plus foncé. Et j'ai fait le vert qui est là. Est-ce que j'ai fait autre chose? Non, j'ai fait que ça pendant 1 heure. Ouais, elle va être jolie. Très très jolie. Après, je suis fan du rose, donc hein. Rose violet, c'est Claudette. Et le derrière, je vous le montre, il est assez joli, je trouve. Bon, c'est pas oufissime, mais ça va. J'ai déjà eu pire. Donc voilà. Donc ça, je vais la reprendre aujourd'hui 1 heure. Et on n'avait pas regardé les points arrière. Pour cette toile, est-ce que nous en avons beaucoup? Il y en a un petit peu là autour de la fleur, dans les yeux, la bouche, les sourcils, les cils. Après, il y en a un petit peu ici. Bon, après, c'est les contours des mains. Ça devrait être bon. Que vous apparemment il faut on n'a pas besoin de piquer entre au milieu d'un brin, donc c'est un avantage. Donc là il y a la main aussi. Après, sur cette page là c'est bon. Là il y a sur des la forme des écailles sur sa queue. Sur cette page là c'est tout. Et je suis ici, il me semble. C'est vers quel numéro? 190. Ouais, c'est ça. On aura un petit peu de point arrière en bas de la queue. Un petit peu aussi sur l'autre page en haut là. Alors, de ce côté-ci, on n'en a pas. On a beaucoup de perles.
Page 10, on n'en a pas. Et page 11, on n'en a pas. Et page 12, on n'en a pas non plus. Donc ça va. Je trouve que c'est raisonnable. J'ai même pas regardé. Hier, j'y ai pensé. J'ai dit, ah, tiens, on n'a même pas regardé les points arrière avec mes abonnés. Puis je viens d'y penser là. Donc je remballe tout ça. Donc travailler une heure. Ah, c'est mon surplus de toile. Hein. De toile. Pardon, de fil. Donc ça, c'est bon. Après, j'ai travaillé sur ma toile Cendrillon, le carrosse de Cendrillon. Donc là, j'ai fait 100... attendez, que j'aille sur l'application Cross Stitch Saga. Je suis à 2%23. Et je vais aller voir. Alors, ouais, hier j'ai fait 121 points. Et avant c'était 139 points le 10 mai, le 7 mai et le 6 mai. Oui, je l'ai commencé pour Stitch Mania. C'est cool. C'est cool. Voilà. Donc là, je suis à 314 croix. Si je les hache là, prend une heure par jour, ça devrait être bon. Donc voilà pour mes avancées d'aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire. Ouais, hier, j'ai pas full avancé parce que j'étais pas trop bien. Non, toujours mon problème des intestins, c'est... C'est casse-pied. Mais bon, la toile est minuscule. Elle est minuscule. Et quand vous devez faire les points dessus, si vous êtes mal éclairé, oh, c'est une cata. Et bon, là, ça sera assez joli. Mais il faut le prendre vraiment à la lumière. Mais pas le soir, quoi. Parce que là, c'est un peu compliqué. À trouver les trous parce que en plus comme c'est une toile pailletée vous n'allez pas voir, je sais pas si vous allez voir là, oui vous voyez les paillettes sur la toile, mais c'est ah là vous voyez, magnifique, c'est magnifique. C'est trouble, voilà. Voilà. Donc j'ai travaillé que sur ça hier. Ouais. Donc là, je croise les doigts pour qu'à midi j'ai mon colis. Parce qu'autrement, je peux avancer. Bah aujourd'hui, je vais avancer sur les manches, du coup. Ouais, je vais faire deux rangs supplémentaires sur une et 7 rangs sur l'autre. Comme ça, mes manches seront égales. Ils seront à peu près jusqu'ici. Comme ça, je pourrai faire mes deux rangs de côte. Et comme ça, je serai tranquille. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Et puis, moi, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, suivant l'heure que vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Par contre, il faudra que je fasse mon DP aujourd'hui, au moins une heure, parce que autrement demain vous n'avez pas de vidéo du tout. Ouais, j'ai encore une fois zappé. Ouais, ouais, ouais. Et c'est le tag du baccalauréat, la lettre O, il me semble. Ouais, je crois que c'est O. Donc si j'arrive à en faire un petit peu cet après-midi du DP, ça fera déjà un carré, ça sera déjà pas mal. Et il me semble, je ne sais plus si c'est Emma ou si c'est Didine qui m'a envoyé les numéros. Oula, ça monte, ça monte, ça monte.
Alors, la louve, elle m'a laissé un message. Et elle m'a pas laissé de numéro. Alors, ça doit être Emma. Oui. Alors, l'EHPAD d'Emma m'a donné le 3, le 31 et le 43. Ok. Donc, ça, je vais faire une capture d'écran. Et comme ça, je ferai ces trois numéros. Voilà, voilà. Bon, bah, quand même 20 minutes. Donc, moi, je vous dis à très vite. Bah, demain, du coup. Si toutefois je reçois mon colis, bah, vous l'aurez peut-être cet après-midi. Autrement, bah, ça sera demain. Bah, dès que je l'ai, je fais la vidéo et je vous mets ça sur la chaîne. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez. Passez une très bonne journée. J'espère que chez vous le temps est un peu meilleur que chez nous, parce que chez nous, hier, il a fait beau. On a eu du beau soleil, mais aujourd'hui, c'est de la pluie. Donc, je pense que c'est parti pour la journée. Donc, je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.